Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue à Toc Toc l'émission. Nouvelle édition sur le catch, vous l'aurez compris. C'est tout de suite, c'est maintenant Catch and Way, reportage, interview, enfin voilà tout ça. Jingle. Ben voilà, on sort un petit peu de notre entraînement. Vous t'as vu hein, dans l'introduction, je suis plutôt pas mal démerdé. Alors avant de recommencer là, et puis avant de m'enseigner un petit peu des cours de catch, présente-nous un petit peu cette association. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ici c'est l'association du Catch as Catch Can, la CACC. Donc ici on enseigne le catch, les bases de catch, pour pouvoir présenter des galas de catch au public. Alors les catcheurs ici, qui est en train de catcher avec nous? Alors par terre ici avec le maillot militaire, on peut voir Johan Defossé. C'est moi et Johnny Delisle qu'on peut voir debout, qui l'avons entraîné. Et le catch a débuté aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Tu peux nous préciser un petit peu les grands noms du catch qui ont vraiment, qui t'ont donné aussi envie de faire du catch ici? Non, ça n'a pas vraiment commencé dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a plutôt commencé en France. À la base, les grands noms du catch français, c'est l'Ange Blanc, Ben Chemoul, le Bourreau de Béthune. Les personnes qui m'ont donné envie de faire ce sport, c'est plutôt les catcheurs américains. Stone Cold ou Hulk Hogan, tous ces grands noms du catch américain. Est-ce qu'ils sont partis comme moi? Ils sont partis avec ces petits muscles-là? Alors là, je ne saurais pas dire s'ils sont partis comme toi avec ces petits muscles, mais maintenant, ils sont arrivés à un bon niveau musculaire, on va dire. Alors, dans la spécificité dans votre club, c'est que vous faites voilà, des galas. Il y aura un gala, donc on verra dans quelques instants les images. Ça représente... qu'on peut prouver au public ce que nous on est capable de faire, leur présenter quelque chose qui leur plaît. Et si on peut les aider à les faire revenir et à ramener plus de gens dans le monde du catch, nous ça nous intéresse parce qu'il faut faire vivre le catch. Parce qu'au fur et à mesure, il a pris de l'importance aux États-Unis, mais il s'est un peu essoufflé en France. Il est toujours présent avec des clubs comme nous, qui ça fait 43 ans qu'on existe quand même. Moi ça fait pas 43 ans que je suis là, hein, mais... Mais c'est vrai que ça s'essouffle un peu, c'est pour ça qu'il faudrait lui faire redorer son blason, si on peut dire. Alors le catch, grande question que tout le monde se pose. Sport ou spectacle? La grande question, l'ultime question. Ouais, c'est un sport à part entière, parce qu'il faut quand même une certaine condition physique. Il faut savoir chuter, il faut savoir prendre des coups, parce que les coups, on les prend quand même au final. Mais il y a une partie divertissement, parce que ça reste avant tout un spectacle qu'on propose aux gens. Vous faites quand même mal parfois quand vous faites du catch. Ouais, on se fait mal. Ouais. C'est arrivé qu'il y a eu quelques blessés pendant les galas. Comme Johnny qu'on peut voir sur le ring, lui, il a déjà été emmené par les pompiers parce qu'il s'est mangé cette barre-là justement en plein dans la nuque. Donc on a dû appeler les pompiers. Là, je suis chaud. Là, je crois que je vais dégommer là. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon catcheur? Pour être un bon catcheur, déjà, il faut avoir une certaine condition physique, c'est-à-dire un bon cardio, parce qu'il faut quand même tenir un certain temps sur le ring, et surtout une motivation, parce qu'au début, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à m'entraîner dans ce club, il faut faire des chutes, encore des chutes, et au bout d'un moment, ça commençait à devenir agaçant. Mais le fait que je suis encore là et que je suis devenu catcheur, c'est ma motivation. Le catch ici, on est dans une salle d'entraînement, ici à Douai, hein, faut la rappeler. Est-ce que le catch à Douai, ça marche bien? Qu'est-ce qu'il faut pour renouveler un peu le catch à Douai? Renouveler le catch à Douai, il nous faudrait déjà un petit peu plus de catcheurs. On est en manque d'effectifs, mais on arrive quand même à faire à organiser des galas tout au long de l'année. Mais sinon, oui, à Douai, ça plaît le catch, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient nous voir chaque année au gala de catch de Douai, justement. Ben voilà, ben je vois que les catcheurs sont partis. Ouais. J'ai l'impression que... Ça va être ton tour. Il y a un petit problème là. Ils sont où les catcheurs là? Bon. Il faut venir. En plus, voilà, il est torse nu, ça fait du buzz. Comment on ressent là? On ressort de cette expérience, plutôt de cet entraînement là? Épuisé. Non, c'est une bonne manière de se défouler, voilà. Et c'est une très bonne sensation, tu verras. Je vais rire, oui. Je suis encerclé, là, j'ai l'impression que ça va bientôt commencer. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, je pense qu'on va se revoir. Jimmy, je crois que tu vas m'apprendre quelques trucs. Enfin, bon, on fait un petit jingle. Je me prépare mentalement, psychologiquement. J'appelle les ambulances, on sait jamais. Jingle, et on est sur le ring. 3, 2, 1, jingle.
Bon alors, Jimmy, là, c'est bon, tu sais, on a fait une interview. Maintenant, il faut que tu m'apprennes tes vrais combats. Le combat, le gala, tout ça. Bon, y'a rien. Ouais. Mais tu vas retomber sur le dos. Ouais, sur le dos, sur les fesses. Tu veux que je t'en montre plus ou... Voilà. Tu veux que je t'en montre plus? Tu veux que je t'explique maintenant ou... Oui, oui, enfin... Vas-y, bah, quand tu veux. Bon, bah... Tu veux essayer? Allez, je vais essayer, hein, pour, donc, l'ambulance, c'est pas loin, n'oubliez pas, il faut pas le faire à la maison, hein. Non, c'est des professionnels. Faire à la maison. C'est vraiment fait par des professionnels. Allez. Ouais. Allez, au revoir. Non. Allez. Alors, on va se mettre là, il faut qu'on décompose le mouvement, hein. Allez, on décompose. Donc, voilà. Vas-y, sur le genou. Ouais. Tu pars. Allez, pars. Faut partir là. Faut que tu pars comme si tu faisais une pirouette en fait. Ok. Ouais. Ça, j'ai un peu peur. Ah bah allez. Bon, elle était morte. Bon, il y a d'autres prises, hein. Il n'y a pas que celle-là. Ok. Allez, viens là. Allez, reviens. Laisse ton bras comme ça. Ouais. Tu vas venir à la patte, tu laisses ton bras comme ça. C'est bon. J'ai pas tes bras, Joris. J'ai pas peur, là. Bah, c'est pas facile, hein. Là. J'ai pas y aller fort. Alors, moyen. Moyen, ouais. Moyen. Tu veux pas Johnny, quand même. Alors, je prends confiance, ouais, c'est ça. Prends confiance, à... non, c'est pas facile, hein, je l'ai dit. Et tu peux voir que ça fatigue, à force. Ouais, là, je suis le déjà, sens, hein. Je suis le déjà sens. Essoufflé, je suis déjà en sueur. Ok. Allez. Après. Ah, si tu veux. Ah. Je peux te montrer si tu veux. Allez. Ouais. Oh, attention, hein, oh. On veut voir comme ça que... La caméra, je peux approcher si tu veux. Ah, je crois que tu sais. Moi, je tiens à tenir ses bras. T'es prêt? Ouais. Mets pas tes bras, hein. Ouais, vas-y. Non, mets pas tes bras. Non. Oh putain. Bon. Bah, je suis à quelqu'un maintenant. Pas encore. Pas encore. Ça, on va continuer à filmer tranquillement. Merci Pierrick, Corentin. Et puis voilà, si tu veux faire quelque chose, alors, un trio et puis voilà. En trio? Ouais, en trio, je sais pas quoi. Bah, je sais pas, je pensais que j'allais finir sur toi en fait. Ah bah oui, mais moi, tu sais, là, je suis fou, j'ai compris, hein, j'ai déjà compris que le tout, tu vois, donc voilà. Mais je sais pas, vous faites... Bah je sais pas. Hein? Bah je oui, vous pas. Pouvez faire un truc... Merci les gars, et bon, il manque juste un petit peu d'entraînement, mais ça va aller la prochaine fois, on y va, hein, parce que moi, ça va, je suis chaud là. Allez, merci les gars, à la prochaine. Hein. Extrait du gala du 29 juin. Place mon jeu à Douai. Finis-le, Johnny. Combat interdit. Projections hors du ring sont interdites. Elle est strictement interdite de toucher à l'arbitre. Il est strictement interdit de toucher à l'arbitre. Allez,
C'est interdit en dehors des cornes. Monsieur l'arbitre. 50 euros d'amende à Franck Marchal. Oh là, attention. Allez, on y va. Monsieur l'arbitre, je crois que vous ne servez à rien. Kevin, monsieur l'arbitre, oh là, oh là. Alors, décision de monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire des reportages?